Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous présente le poker des cafards, un petit classique des jeux de bluff sympathique, pas prise de tête, pour jouer de 2 à 6 joueurs en famille. On va jouer avec des nuisibles, des petits animaux pas très sympas. Je vais vous montrer tout de suite les différentes cartes de ce petit jeu. Alors, au niveau des cartes, vous avez différents animaux, comme je l'expliquais, plutôt pas sympa, et donc c'est le sticker en relief qui va nous indiquer de quel animal il s'agit. Ici, j'ai une étoile, je sais que c'est une chauve-souris puisque les chauves-souris sortent la nuit. Ici, j'ai une fleur. On imagine que les pétales de la fleur représentent des pattes, donc c'est une araignée. Ici, j'ai une fenêtre en relief, donc on sait que c'est la mouche qui se colle à la fenêtre. Ici, j'ai un triangle. Un triangle, ça pique, comme le scorpion qui pique. Ici, j'ai un rond. Le rond, c'est le crapaud, un animal qu'on imagine plutôt rond. Ici, j'ai un carré. C'est le rat. On imagine la cage du rat. Les deux derniers, il n'y a pas vraiment de correspondance, mais donc il faut savoir que le X, c'est la punaise, et que le plus, c'est le cafard. Après, au niveau de la règle du jeu, c'est assez simple. On a tous des cartes en main, on se distribue l'ensemble du paquet et on va passer les cartes à nos adversaires en lui disant: Tiens, je te passe un cafard. Et l'adversaire va devoir deviner si on dit la vérité ou pas. Si j'avais passé un cafard et que l'adversaire dit: Oui, tu as raison, c'est un cafard, on retourne, c'était bien un cafard. J'ai pas réussi à bluffer mon adversaire, donc j'ai récupéré le cafard devant moi. S'il avait dit: Je pense que tu bluffes, ce n'est pas un cafard. Et qu'il s'était trompé, puisque je lui avais bien donné un cafard, c'est lui qui récupère la carte devant lui. On va jouer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un se retrouve avec 4 fois le même animal devant soi, devant lui. Donc les autres vont essayer de lui faire passer les cartes qui vont le faire perdre. Dans ce jeu, il n'y a pas de gagnant, mais il y aura un perdant. La partie s'arrête dès qu'une personne a perdu. Voilà, c'était la présentation du Poker des Cafards, un sympathique petit jeu de bluff que je vous recommande. À bientôt pour la présentation d'un nouveau jeu sur accessijeux.com.